Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, chers concitoyens. Comme chaque année, j'ai l'immense plaisir de vous convier à la rencontre annuelle des musulmans de France, à votre rencontre annuelle que vous organisez chaque année et que nous essayons justement d'être à votre service pour vous créer les espaces qu'il faut, les conditions qu'il faut, inviter les conférenciers, les spécialistes, les savants, les gens du terrain pour parler de nous, parler de l'islam, de la religion, de la spiritualité, de la morale, du comportement, de tout ce qui est cher à nos cœurs, ensemble. Bien évidemment, la rencontre en elle-même est devenue un objectif. Il fut un temps où se rencontrer, c'était pour faire quelque chose, pour assister à quelque chose. Or aujourd'hui, depuis quelques années, la rencontre en elle-même est un objectif. Quand les musulmans se rencontrent avec, dans leurs différences, dans leur pluralité, les musulmans du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on se rencontre avec les musulmans et avec les non-musulmans pour traiter, pour se voir déjà, pour se rassurer qu'on est là, que nous existons en tant que composante de cette société, que nous discutons, nous débattons. Pas forcément on va être d'accord sur un certain nombre de choses, mais au moins nous discutons, nous poussons cette présence musulmane à évoluer, à s'adapter, à se réformer, à se remettre en cause, pourquoi pas. Et tous ces thèmes et tous ces sujets seront débattus ensemble du 14 au 17 du mois d'avril. Donc soyez nombreux et nombreuses, venez, on sera heureux de vous accueillir et de vous présenter le meilleur de ce qu'on peut vous offrir parce que vous le méritez.